Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4. On est toujours dans la merde, c'est ça, c'est bien ça, on est toujours dans la merde, et on va tâcher de s'en sortir, même si ce ne sera pas une tâche aisée. On est toujours oppressé par l'envahisseur espagnol là, qui nous a lancé une croisade comme ça contre nous, tranquille. Mec, il nous aime pas, il nous balance une croisade dans la gueule, espèce de salaud. Espèce de salaud, t'as tricheur, t'es un salopard. Et ici, tiens, j'avais une idée pour sauver mes îles, là, la con. On va lancer des mercenaires. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais je peux toujours lancer des mercenaires. Comme je suis à côté. Voilà, on va faire ça. J'ai plus de mercenaires engagés, mais je m'en fous. Comme ça, ils vont arriver assez rapidement. Voilà. D'accord, un embargo entre les Irlandais et les Iroquois, voilà. Hop, vous allez tous venir ici. Ça me fera un stack normalement assez, assez costaud pour pouvoir péter les rebelles et récupérer le territoire pour éviter qu'ils me filent entre les doigts. Parce que bon, quand même les garder, ces putains de territoires à la con. Et alors on est bien dans le caca, hein, parce qu'il n'y a personne qui nous aime. Eh ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux, regarde, 43 000, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, là? Je sais pas qu'est-ce qu'il va me demander à la fin, mais ça va saigner. Hein. Ça va saigner, c'est moi qui vous le dis. Shan a déclaré la guerre à Delhi, d'accord. Il est voisin, oui. Bah non, il est pas voisin. Comment il va passer? Ah, il va passer par lui. Ah ouais. Taxe sur le sel. Alors ça c'est bizarre parce que le chien de Mexique, je pense qu'on va pas tarder à le perdre. Ça dépend, s'ils nous demandent le territoire, on le perdra, mais sinon. Ouais, ils veulent pas trop se rebeller, donc on va leur foutre un petit peu de taxe dans la gueule. Je les tiens bien quand même. Je les tiens bien, ces saligots. Et on va tenter de faire le travail avec ces petits mercenaires. On a des rebelles ennemis. Enfin, des rebelles. Rebelles, par définition, c'est toujours des ennemis, mais. Hop, et on va leur balancer. J'espère que ça suffira, hein. 12 contre 11. C'est des mercenaires quand même. Ils sont censés être plus costauds que mon infanterie régulière. Parce que c'est des mercenaires. Oui, c'est équilibré, c'est équilibré. Qu'est-ce que ça va faire? Normalement, ils sont 1000 de plus. C'est bon. C'est bon, ça passe. C'est bon. On va pas se faire niquer ce territoire là. Parce que là, il manquerait plus que ça là. On perd un territoire. On va pas regarder. C'était les nationalistes. Bon, ça va. Ils en étaient un peu loin. Bon. L'Espagnol ne bouge pas. Hein, à part garder ses terres à la con là. Donc c'est une guerre d'usure. Il laisse ses troupes de merde ici là. T'as rien d'autre à foutre. T'as rien d'autre à foutre que me faire chier à balancer tes troupes à la con là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se reconstruire une flotte. Mais cette fois-ci, ça va chier. Ça va chier parce qu'on va s'en faire de la grosse flotte de malades. Alors 1, 2, 3, 4, à chaque fois je dis ça. 5. 6, on était où? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on a déjà fait un, ouais. 17, non, c'est pas les régiments, c'est les navires. 17, 18, 19, pas d'eau là. 20 et 21 bateaux ici. 22, 23, 24, 25, 26. On fait que des gros, sinon on est comme ça. 27, 28. 29, 30, 31, et on peut en faire un 32e. Et un 32e. On a droit à une flotte comment au niveau de la taille?
Ça va. Même l'armée, on peut s'amuser à en chercher plus. On peut aller s'amuser à en chercher plus. Allez, on va avancer un peu. Putain, mais propose-moi une paix là, parce que ce con là, il veut pas me proposer de paix du tout. Voilà. Je perds? Oui, je sais que je perds. Je peux rien faire aussi. Salaud, il a cheaté. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, trop cool. Afficher sa supériorité. Guerre sainte. Et alors? Je suis pas méchant, moi. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder, là, avec ta religion à la con, là? Ah bah non, c'est pas le moment. Ah non, non, non. Il va falloir que ce soit les technologies qui coûtent moins cher, hein, mon garçon. Tu m'excuseras, mais... Les trois ponts. Oh, merde. Vas-y, investis. Investis. Combien ça nous coûte? 518, 523, putain, ça coûte rien en fait, hein. 472. Ce serait bien que ça monte un peu plus vite au niveau des technologies là. Je serais très très enchanté. Je gagne des effectifs, presque 400 000 d'effectifs. Ah bon, on va la pause parce que c'est plus rapide. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'attendre, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Obligé d'attendre, je vais les laisser libérer le territoire, hein, puis après je les virerai. Impeccable! Excellent les gars, excellent. Ça c'est bientôt à nous. Ça c'est bientôt à nous. Et ça c'est bientôt à nous. Ça au moins, ça peut emmerder avec ça. Plus de surexpansion. Elle est de combien la surexpansion d'ailleurs? La surexpansion s'il vous plaît. Où est-ce qu'on voit ça déjà? On voit ici. 16%. Blablabla. C'est vrai qu'on a déjà des colonies, c'est vrai. Il est vrai qu'on a des colonies ou qu'un sont nos colonies, un sont là. On en a plus que 3. On en a plus que 3, c'est bizarre qu'ils ne les attaquent pas d'ailleurs. C'est qui ça? Pays-Bas. Salopards de Pays-Bas. Je suis sûr qu'ils se sont alliés avec... avec l'Espagne pour me faire chier pour ça surtout. Avec la Horde Or, Guerre Sainte. D'accord, c'est qu'ils vont vouloir me bouffer les territoires. Regardez ces salopards là, ils sont en train de bouffer... de manger mes collègues, tout simplement. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, je crois qu'ils vont reprendre les Amériques. Il va falloir que je me contente de mon petit bout de terrain là. Ça c'est bon. Et ça c'est bon aussi. Ok. Tiens, le Shan qui se fait attaquer, bah, c'est par Delhi. Mais comment ils peuvent passer les mecs? Ils ont pas d'alliance avec. Delhi est en alliance avec ça. Il n'est pas du tout. Il est en alliance avec ça. Comment il a pu aller jusqu'à là? Union personnelle avec machin chose. Oui. Et pourquoi il est allé là? Parce que là, il est sous protectorat, donc là, ok, mais il connaît pas la Horde. Ils sont indignés. Bon. Parce que je leur ai piqué le terrain ou quoi? Occupation par Delhi. Ben, Shan est en train de se faire bouffer par le Delhi, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça nous fera les vacances un peu. Oula, 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 oula. 24 000 troupes là. 24 000 troupes. On va sortir nos troupes là. On regarde pas ce qui se passe et de suite ils en profitent, ces salauds. Je te parie qu'on va les attaquer avec tout ce qu'on a. Et ça va être la même. Hein. On va quand même se faire baiser, je te parie. Ok, ça c'est parfait. 33 000. Putain, les bâtards. Les bâtards. On va aller chercher les alliés là. 38 000. Tout le monde à la maison. Tout le monde à la maison. 33 000. Mais normalement, ils devraient avoir un malus. Ils ont plus de cavaliers que d'infanterie. Hein? Logiquement, on a un malus. En tout cas, moi, j'ai un malus quand j'ai plus de cavalerie que d'infanterie. Je sais pas si eux, ils ont le même. Bon, il y a nos bateaux de guerre qui arrivent là. Mais bon, ils vont jamais pouvoir sortir du port. Hein. Blablabla. Ok. Gagner instabilité, pas besoin de stabilité. 50 ans prestige. 50 ans prestige, ça fera plaisir.
Ça fait longtemps qu'on n'a plus de prestige. T'as des troupes ici. Ouais. Je pense que ça va pas tarder à chier. Ok. Le Pégou a déclaré la guerre à Hachan. Oh les salauds. Oh les salauds, parce que ça fait partie du Pégou. Initialement, ça fait partie du Pégou, voilà, plutôt. Hein. Dit comme ça, c'est mieux. Alors, on va prendre une formation d'attaque unilatérale. Non, je préférerais que tu passes par là pour éviter de tuer les troupes en passant, parce que je sais que t'es tellement débile. L'accès militaire du Pégou et de la Horde. Pourquoi? Allez vous faire foutre. À la faute. Qui c'est qui vient m'aider, moi? Qui c'est qui vient m'aider, là? Personne. Alors, démerdez-vous. On m'aide pas, j'aide pas, puis c'est tout. Nous avons gagné le siège de machin chose. Tant mieux. Maintenant, vous allez partir. Parce que vous me coûtez une blinde, les enfants. Alors, j'aimerais que tu passes par ici et par ici. Et tu seras le premier à partir dans la bataille. Corian, il va se casser, ce bâtard. il est où mon. Il est nulle part, mon chef. Voilà, il est nulle part. Donc, il va aller là, Songli. La bataille de Songli. Il a intérêt à gagner. Ce salaud, il a intérêt à gagner. Par contre, il faut qu'il se dépêche parce que eux, ils sont en train de tout bouffer là. Si le Pégou, il veut sa place, il a intérêt à se dépêcher. À combien ils en sont? 28%. Je suis toujours en combien? Plus 27. Oh, il s'est arrêté, ce salaud! Oh le bâtard! Reviens ici! Reviens ici tout de suite! Ah non, ça va. Il s'est pas arrêté. Alors, 4, 6. Contre-cachard, on s'en fout! 4, 6, 8. 8. Allez, 100 000. Ça, hein. Oui, parce que c'est en 1000. Donc 100 000 unités contre 35 000 unités. Et je parie que je perds. Pourquoi t'es allé te planquer là, espèce de salopard? Quel salaud celui-là. Nous gouvernons en Californie. Bah, ils ont pas besoin de ça. Ils ont demandé de remplacer. Mais on va le remplacer alors. Et on va envoyer un militariste. J'aurais peut-être pas dû envoyer un militariste l'autre fois, parce que c'est peut-être à cause de ça qu'il a fait la guerre à l'autre. Voilà. De suite, il part. Oh le salaud. S'il part, on peut pas le choper, c'est con. Il arrive le 15 juillet, il arrive le 12 juillet. Donc il arrivera avant. Enfin, il arrivera. Et voilà. Regardez. 88 000 contre 25 000. Réforme. Alors. Qu'un 3 en inflation. Je m'en fous. L'inflation, je la rembourse. C'est où l'inflation? C'est ici. Dire l'inflation. De 2. Ok. Et là, je vais perdre. Et j'ai perdu. Voilà. Comment ils sont passés là? Putain, ils sont venus fuir chez moi. C'est qui ça? Freeze? Quoi, je suis en guerre contre la Freeze aussi? Ah ouais, effectivement. Maintenant que tu le dis, bah du coup on va aller. On voit si on peut taper quelqu'un, on va taper quelqu'un, hein, merde. Hein. On peut pas taper qui on veut. Bon, voilà, il va falloir faire venir nos 22 000 d'ici. Parce que eux, ils vont partir à l'autre bout du pays. Ah, on va encore jusqu'à là, dis donc. S'ils me demandent des pays en territoire là. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord. D'accord. Pourquoi ils ont fait une guerre, en fait?
peux pas me mettre sous protectorat de quelqu'un? Ce serait bien. Ce serait bien de se mettre sous protectorat de quelqu'un. Je me mets sous protectorat de Russie. Non, je peux pas, non. Je sais pas qu'est-ce qu'il va me demander, ce salopard, là. De semer le mécontentement. Ok. Eh. La bataille de... Comment ça, on a perdu? Ouais, il y a 18 000 qui arrivent. Comment ça, on était plus nombreux? Là, ça y est, on les pète, là. Mais c'est quoi ce malus de morale de malade que j'ai, moi, à chaque fois? Attends, la frise. Frise, c'est par là. Quelque part par là. C'est où? C'est là. C'est quoi ton niveau technologique? 26. J'ai 20. On a 6 niveaux de différence. Mais quand même. Quand même, faut se calmer un peu. J'ai une doctrine d'attaque, non, en plus. J'ai la doctrine d'attaque complète. Taman, c'est possible. Oh, les salauds. Oh, les salauds. Mais comment ils font pour toujours me péter comme ça? À chaque fois que je tombe en combat contre quelqu'un, déjà, je chope moins 50% de pas d'humeur, mais de morale, voilà, tout simplement. Moins 50% de morale direct dans la gueule. Hop, vous allez aller ici. Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller ici. Déjà, on va y voir un peu plus clair et on va les re-attaquer, hein. Rien à foutre, hein. On devrait pouvoir les avoir quand même. Ils vont bien être obligés de remonter au bout d'un rang. Ok, trop cool. Trop cool, j'adore. Moins 49%, donc ils y sont pas encore. Alors, on va aller chercher tous ces bateaux-là. Moi, je veux les bateaux. Non, je veux les bateaux, j'ai dit. Et tout le monde va venir ici. Mouvement de bateau. Mouvement de bateau. 23 000 bateaux. Juste à côté, ce bâtard. Ceux-là, on va les... Peut-être pas les fusionner. Celui-là, il va... Merde, celui-là, il y va déjà. Ah, ils peuvent être 40 ici, donc ça va. 63, allez, bim. On va mettre le stack complet, hein. Voilà, comme ça, le monsieur... Si il veut me péter la gueule, on est bien d'accord. Je vais pas les splitter ensemble. Enfin, les mettre ensemble. Toi, tu vas te mettre juste là en soutien. Normalement, si le mec, il veut me péter la gueule... Enfin, de toute façon, ils seront bien obligés de pouvoir partir. Et il peut pas me tuer, on est d'accord. C'est impossible. Je suis en défense. Renforcement de la vitesse, ce serait pas mal. Morale des armées plus 10. Allez, bim, je te prends. Direct. Direct, je réfléchis pas, je te prends. Morale des armées, j'en ai bien besoin. Allez, on a 13 navires de guerre. C'était bateau de pont. Putain, j'ai eu la technologie pour les bateaux 3 ponts un peu trop tard. Ah merde. J'en ai qui me font des blocus à la noix, là. On va essayer de faire sortir cela. Putain, mais vous avez plein de rebelles, les Coréens, quoi. Vous déconnez. Vous avez plein de rebelles. Putain, va falloir que je m'occupe de vos rebelles. Vous foutez de moi, quand même. Les gars, faut se calmer un peu, là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Et là, on va mettre des chevaux. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et après, on met des canons. 18, 19 et 20. Va-t-on essayer comme ça? Et on va balancer ça sur les rebelles coréens parce qu'ils me cassent les couilles. Ils me cassent les couilles. La bataille est terminée. Où ça, j'ai perdu. Et forcément, c'est des navires. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que tu veux? Ça avance pas très vite. Hein. Bah, je m'en fous, il est aux rebelles. Hein. J'allais se faire foutre. Hein. Voilà, on était 34 000 et on n'a pas pu niquer les quoi, je crois qu'ils étaient combien? Bah, ils étaient 7 000, un truc comme ça. Attends, même s'il n'y a pas de chef, faut pas déconner non plus. 34 000. Putain, les mecs, ils sont 3-4 fois plus et non. Non, non, non. Ça va pas. Mec, ils sont 3-4 fois plus, mais non, ça va pas, ils peuvent pas. Ils n'ont pas la puissance nécessaire, messieurs. Ils sont trop demeurés, messieurs. Talent diplomatique, ça m'aiderait bien. Puissance d'espionnage. Combien je gagne en argent? J'ai jamais assez. Je peux enlever l'embargo contre la Bretagne. On peut mettre plus 10% au commerce. Alors, on va envoyer, enlever pardon, l'embargo. C'est chez nous. Non, c'était économique. Ouais, annuler embargo contre la Bretagne. Et Espagne, lancer un embargo contre l'Espagne. Finalement, le seul Européen qui pourrait nous aider éventuellement, ça serait le Danemark. Peut-être l'Autriche. Tiens, j'en vais ici. Oh, mais ça m'étonnerait. Saint-Empire, maintenant, rien à foutre. Il va pas m'aimer. Les Mamelouks sont occidentalisés. Par quel miracle? Quelle nation occidentalisée est à côté des Mamelouks? Aucune. Ah, l'Espagne. Ah, oui, oui. Ah, effectivement, oui. Ils ont pas fait une guerre, d'ailleurs. Ah non, merde. C'est l'Espagne qui est en guerre contre moi. Ils sont... d'accord. Ils ont l'Éthiopie en protectorat. Bon, on est toujours dans la merde, nous. On attend. Et on... Ah, 1741, déjà. On a déjà pris... on a fait 3 ans, déjà. J'ai gagné la bataille de... Ah, quand même. Pas déconner. Contre la Frise, quoi. En tant que défenseur, d'ailleurs, j'ai pas un bonus. Pourquoi je prends un malus, là? Ils ont demandé de remplacer machin chose. Allez, un militariste. Pas intérêt que je perde, hein. Je veux pas savoir, hein. Gagner 25 de prestige. Bim, j'ai gagné. Il me semble qu'en défense, je gagne plus de scores. Par contre, ils vont pas tarder à venir me péter la gueule, non? Ah, peut-être pas, non. 17 000, je les aurais jamais, les 17 000 qui sont plus bas. Ah, bah tiens. Sauf que non. Les gars, vous faites pas les cons, vous évitez de passer par là. Ça serait bête, un tout petit peu. Non. Ça, et comme ça. Voilà. Ça serait con de passer par là où il y a les rebelles pour vous faire crever. Réfléchissez un peu, les enfants. Bon, je vais aller vous sauver un petit peu. C'est quoi? Nationaliste, machin? D'accord. Oh, putain, ils font chier, les Français. Ils font chier, les Français. Je vous les laisse, ces petites îles à la con, si vous voulez. Hein, mais lâchez-moi. Hein. Lâchez-moi. Lâchez-moi, bande de salauds. Allez. 58 000. On reste en défense, les gars. On reste en défense. Manque d'eau. Mais vas-y, rends-toi, bordel. Vas-y, fais pas traîner le suspense, là. Tout le monde t'attend, là. Alors, dès qu'il le prend. Allez, c'est où? C'est où? C'est où? Je veux les sièges. Les sièges. La Corée est occidentalisée. Grâce à nous. Voilà. Grâce à nous, il faut le dire, il faut le préciser, grâce à nous. Pourquoi je perds tous mes conseillers, là? Productivité, plus 10, ça c'est bien, ça. Pour l'argent, c'est bien.
Force des missionnaires. Putain, on a bien besoin d'avoir des missionnaires. Modificateur d'impôt national. Allez, on va mettre force des missionnaires parce que c'est vrai que le missionnaire il a toujours du boulot à donf. Ça lui fera plaisir un peu. Tumor! À 49%, allez, tu vas te rendre. Ah, une offre de paix. Paix blanche! Une offre de paix des Pays-Bas! J'accepte. Pas de problème, j'accepte. J'accepte, j'accepte. Double paix blanche. Pas de problème. T'as le mec qui se retire. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu attaques. Tu attaques. Alors on renforce. Là, tu peux pas me dire que là je perds. Là, c'est impossible que je perds. 112 000. Regardez, j'ai. Voilà. C'est impossible que je perde là. Et je vais quand même perdre, hein. Je vais quand même trouver le moyen de perdre, bordel. Technologie militaire. On prend, on est à combien? Je sais pas pourquoi ils ont fait une paix blanche, les. Mais je vais perdre, hein. Ouais, non, mais je m'en occupe de ça. T'inquiète pas, tu pourras dire à ton coréen que je l'emmerde et que je m'occupe de ses problèmes. Ils vont se calmer le sexe un petit peu, ces coréens. Allez, 10 000, les gars, tenez le coup! Putain, on a perdu, quoi. Putain, mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Je suis à combien? Je suis à 100... combien c'était? 112 000 contre 34 000. Je vais bien croire qu'ils sont plus avancés que nous, mais faut pas déconner. Faut pas déconner, quoi. C'est quoi ce problème qu'ils ont? Les Ming, ils sont nuls. Militairement, ils sont nuls. Même s'ils sont ultra nombreux, ils sont nuls. Ils valent à rien, militairement. Les bourgeois existent des privilèges. Je t'emmerde. Refusez. Rien à foutre de tes privilèges à la con. On est en pleine guerre, bordel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on va essayer de faire comme eux. 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, j'ai mis plus de cavalerie que d'infanterie. On va voir si ça fait pareil que chez eux, si j'ai pas de malus. Ça me semble bien qu'on a un malus. Bon là on les pète et on va leur péter tous leurs rebelles à la con là parce que... Ils m'emmerdent ces rebelles. Voilà. Moi j'ai le droit de rentrer sur le territoire du coréen, il me l'a dit. Il m'a dit mon pote, t'as le droit de rentrer sur mes terres. Attends, j'aimerais que tu passes par là mon petit garçon. Ça t'évitera que tu tues les autres troupes en passant. Et ça m'aiderait un tout petit peu. Alors, comment c'est possible quoi qu'on peut perdre autant quoi? Allez, vous voyez? D'accord, tu vois? D'accord, voilà, bah c'est bien ce que je dis. Comment ça se fait que eux ils ont plus de cavalerie et qu'ils ont pas de pénalité à la con? Ils ont bien toujours plus de cavalerie. Regardez, 15 régiments de cavalerie. Donc c'est bien que. Ils se foutent de ma gueule. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever. Et on va essayer de mettre un petit peu plus de canons. Parce que c'est vrai que j'en mets peut-être pas assez des canons. Alors. On va en faire. On va partir que sur du 1 partout. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 11. 11, on va faire un petit 12, 13, 14, 15, 16, 17, non plutôt 17, 18, 19 et 20. Ça, il y aura à peu près 5-6 canons, un truc comme ça, une bestiasse comme ça. Mais je comprends pas pourquoi j'ai autant de malus de morale en fait. Je commence un combat, j'ai toujours 50% de morale en moins. Et ça, c'est dégueulasse. À part contre les rebelles.
Voilà. Pourtant, j'ai 115% de discipline, quoi. Avant, j'avais un problème de discipline, mais maintenant... Faut arrêter, quoi. Merci, Ki. De rien. Maintenant, on va libérer tes territoires de merde. Allez, on va se mettre notre armée ici. Contre le Bengale. Qu'est-ce que je m'en fous du Bengale? Allez, on se fait un stack de plus parce que nous on est comme ça, on a le droit en plus. On peut investir dans une doctrine. Ah bon? Niveau 26. Putain, mais en diplomatie ça va, mais moi j'aimerais monter au reste là. En militaire surtout, là. J'ai besoin du militaire, les gars. Une doctrine. Sans problème, on fait la doctrine défensive. Doctrine navale. Peut-être pas doctrine navale, non. Parce que c'est vrai qu'on gagne beaucoup de puissance diplomatique, alors ça peut-être... Influence diplomatique et ça donne quoi? Puissance du commerce, ça serait pas mal le commerce, mais bon. J'aimerais bien me défendre aussi, bien me défendre. Habilité au combat de l'infanterie, ce serait bien ça. Vitesse de récupération de morale. Habilité au combat de la cavalerie. Habilité, ok. Vitesse, ok. Habilité, ok. Habilité au combat de l'artillerie. Et c'est quoi? Discipline plus 15%. J'ai pas le droit? Pourquoi je peux pas prendre ça là? Bah alors, qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, dans une nouvelle. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Je suis en train de me dire aussi. Ouais, mais ça, je m'en fous. Réduction de l'inflation. Ouais, mais je m'en fous, j'ai pas besoin d'intérêt, j'ai pas de. Ça, par contre, je vais garder mes points diplomatiques. Hein, parce que si on me propose une paix. Alors, on va essayer de reprendre, hein, petit à petit. Sans trop surveiller. Putain, j'ai jamais eu autant de. Ah! Cède. Eh, 6300 balles, tu te fous de ma gueule, je les ai pas. Endra 8 et accumule. Voilà. Le traité de Mibarming de 20. Blablabla. D'inflation du cas de la paix. Alors, dis-moi, c'est quoi tes territoires à la con que tu me demandes? Tu me dis. Tu me dis, tu me dis. Tago. Togoloan, c'est quoi ça? Ouais, ça, je peux te laisser dire, rien à foutre. Et c'est quoi Mingo, Mingo, Mingo Dano là? Et c'est quoi la province nationale de qui machin chose là? Quoi, qui c'est ça? Elle est où? C'est celle-là? Ça me fait chier! Mais pourquoi je la céderais au Danemark? Je suis en paix avec le Danemark. Et ça lui coûte que 22, 5 de déshonneur, pas de dinosaure, de déshonneur à ce salopard de merde là, qui m'attaque lâchement là, espèce de pourriture. Va te faire foutre! Tu peux te la foutre au cul, ta offre de paix! Non, je déconne. Je crois que je vais l'accepter. Tu dégages tout de suite de mes territoires par contre. Accepté. On n'est plus en guerre. Et l'Espagne a récupéré ça et a donné ce petit territoire de merde aux Pays-Bas. Mais on est en paix. Et on a réussi à garder tout ça. Et on... Putain, là on va y aller. Là on va tout défoncer tous les rebelles qu'il y a. Faites ça, vous êtes combien? 33 000. Allez, hop, hop, un petit chemin tranquillement, hop là. On a réussi à pas perdre les Amériques. Alors ça c'est déjà bien parce que là, une révolte. Là, on s'en fout. C'est pas le moment de me faire chier. Je vous dis les gars, c'est pas le moment de me faire chier.
Du coup, on a 2 millions et demi de troupes militaires. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, ça servira pour la prochaine fois. Mais par contre, tu dégages, hein, tes troupes. Hein. Tu sors. Tu sors. Tu sors tout de suite. Sors de là. Espagne, fais pas ta pute. Espagne, fais pas ta pute. Ok, il est là, en vaisseau de guerre. On va réunir tous nos vaisseaux de guerre. On fait pas tant que ça, finalement. Voilà, bon. Nos unités ont subi des pertes, ça c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous avons remporté quoi? Cassius Belli contre l'Espagne et Détienne? Reconquête, oui, je sais, ça je me doute. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, on a fait un emprunt là. Bordel. Putain, l'argent qu'ils ont dû gagner, ces salauds. On va faire ça, réduction de l'inflation. Tant pis. Et après, c'est conseil disponible. Modificateur d'entretien des armées, ça c'est bien. Et productivité. Il faudrait. Dans un sens, il faudrait que je la rush aussi, cette doctrine là, parce que elle est quand même assez intéressante. Du coup, je me retrouve avec 2 500 000 troupes. Toi, tu vas là-bas, c'est ok. Ouais, mais toi, c'est pas grave, c'est sur mon territoire, le Coréen, là. Il a le drapeau comme quoi il est désolé d'être sur mon territoire. Mais c'est pas grave, t'es un pote, toi. Toi, t'es un pote, toi. T'as le droit d'être sur mon territoire, je te dis rien. T'es un peu con, mais t'es un. Un peu con parce que tu préfères aller m'aider que d'aller secourir ton peuple qui est emmerdé par des rebelles. Donc ben on va mettre nos troupes, on va installer nos troupes partout. Parce que bon, on les a pas faites pour rien non plus. Ça fait combien de manteaux? Ok. Ça fait combien de bateaux donc on a dit? On va envoyer ça. On voit qu'il y a le plus machin chose là. Le missionnaire qui met moins de temps maintenant pour. On a 28 bateaux. Ok. 28 bateaux. Par contre, on a plus de thunes. On a remboursé l'emprunt déjà. Ok, c'est pas grave ça. Non, on a des troupes, on peut assurer la défense du pays. Tu t'en vas. Tu te casses. J'ai dit, tu te casses. Alors, on va mettre un petit peu des troupes par-ci, par-là. On a des troupes par là, on va en mettre là-haut. Sur le plateau. On va en mettre là. On va en mettre. Hop, ces troupes-là qui vont voilà, venir ici. Et là, ici. Voilà. Et on va rester comme ça. On sera plutôt pas mal. Le Mamelouk contre la Syrie. Fight. Donc voilà. Ah, mais t'étais là, toi. Espèce de salon. Là. Tu t'en vas. On va tout de suite. Ah, putain, il y avait des Espagnols juste à côté là. Oh les cons. Oh les cons. Là, ils ont que de l'infanterie, des canons. Nous avons remporté la bataille de machin chose. Eh ben, tu vas rester là, tiens. Ça te fera les pieds. Est-ce qu'on peut pas attaquer? Ah, il est en guerre contre. Ok. Ah, maintenant, j'ai envie de me venger. Je vais attaquer quelqu'un. Rien à foutre. Ça y est, on va péter tous ces rebelles de merde. Dégagez, vous, là aussi, là. Vous n'êtes pas chez vous. Je vous laisse avec vos rebelles à la con. Semez le mécontentement, rien à foutre. Tout le monde est content chez nous. Tout le monde est content. On va d'ailleurs remettre des troupes par là-haut. Est-ce qu'on en a. Ah, attends, 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 il y a un canon qui est tout seul, là. Ça se fait que t'es tout seul, toi. Alors, on a. 20 ici, 20 ici. Allez, on va en mettre un ici là. Parce qu'on n'a pas de. On va en mettre un de ce côté-là. Et celui-là, ben, il ira là-haut. Parce qu'on a perdu toutes nos autres troupes. Pourquoi j'ai des Anglais là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces Anglais? Quoi, on a perdu un conseiller? Putain, ils ont pas une grande espérance de vie. Ah merde, il faut des sous. On va attendre un peu. Du coup, de la stabilité. Stabilité, j'en ai pas besoin. Mais différence nationale d'impôt plus 5% productivité. C'est où? Les gars, m'emmerdez pas.
Les gars, m'emmerdez pas. Ah, pourquoi? Ah, j'ai perdu le mien. D'accord. J'ai perdu le mien. Bon. Ah, bah c'est pas un mauvais celui-là. Putain, pour une fois. Pour une fois que j'hérite d'un chef qui est pas totalement nul. Alors, on va prendre de quoi on aura besoin. Au final, attendez, c'est quoi qu'on rapporte le plus? C'est quoi qui nous 60 et les impôts 60? Bon, ben on a le choix, mais les impôts rapportent beaucoup plus que le reste. L'inflation descend, c'est cool. Ça, c'est cool. Et l'emprunt, toujours des intérêts. On peut pas rembourser? Rembourser l'emprunt. Merde, 500 balles l'emprunt, quand même. On va... les impôts. En plus, ça nous donnera un plus 2. Et du coup, on tombe à 65 d'impôts. Et du coup, on gagne un peu plus d'impôts. Puis, tant mieux. Allez. Voilà. Bim. On est comme ça. Ah, c'est un général 2 étoiles. Non, je crois que c'est la première fois que j'ai un général 2 étoiles. N'importe quoi. Mec, il a la plus grosse armée du monde. Mais non. Non, non. Première fois qu'il a... Qu'il a un chef militaire à peu près correct. Conflit commercial. Ok. Est-ce qu'ils nous font toujours la gueule? Monsieur Espagne, est-ce que tu nous envoies toujours un embargo? Je t'ai pas envoyé d'embargo dans la gueule. Ah ouais. D'accord. Et moi, j'ai subi un embargo de... Je suis victime d'un embargo de la Russie et j'ai lancé un embargo contre eux. Je vais annuler l'embargo parce que moi, je suis courtois, je suis gentil. Je mets que des embargos à ceux qui ont le mérite. C'est quoi ma mission? Améliorer notre prestige. Oh putain, on est mal barré. C'est quoi ma récompense? Gagner de stabilité. 50 de prestige, d'accord. Allez. Tout ça là-haut. Ils seront contents, les Coréens. Ah, 30 vaisseaux. Déjà bien. C'est pas encore le mieux. Ça nous fait combien? On est à combien? On est à 53 sur 187, d'accord. On peut encore... On recrutait plein d'autres si on veut, on a toujours droit qu'à qu'un seul chef militaire, oui. Oui. Oh non. Conquête. La conquête de quoi? La Russie. Oh les bâtards. Forless. Putain, pour une île à la con, quoi. Putain, mais tu me le demandes, tu me demandes des sous, et puis... Enfin, tu me donnes des sous en échange, et... Pour cette île de merde. Il m'attaque pour cette île à la con. Viens foutre les pieds chez moi, tu vas voir. Par contre, c'est la Russie, là. Là, par contre, la Russie, il va falloir déployer sa résistance. Ça veut dire que je suis en guerre contre la Horde? Ah non, même pas. Je suis même pas en guerre contre la Horde. On va mettre... On va faire remonter un petit peu nos troupes d'un cran. Et on va laisser quelques troupes en bas. C'est la Russie, moi, qui me... Californie, Chine, Mexique et Corée. La France a les pieds où? La France, elle est pas dans le secteur. Par contre, tout ça qui est contrôlé par des rebelles. 27... C'est quoi tous ces rebelles, là? D'où qu'ils sortent, là? Attends. Prends-moi ça, là. Eh, mais ils sortent d'où, ces rebelles, là? C'est quoi? Paysans. Allez, pète-les. Bah, attends, tu vas te mettre en mode neutralisation des rebelles. Ça, au moins... J'espère que tu vas pas perdre, que tu vas pas mourir. Ah, les voilà les rebelles. Les rebelles. 40 000 troupes, quoi. Le mec, il était prêt, quoi. Il était là. Il était là, ce bâtard. Voyez, là, regardez, son deuxième régiment, là. Armée of Chimera, là. Hop, donc il a 15 000 régiments d'infanterie, 24 000 cavaliers et 0 canon. Ok? Pourquoi il a pas un malus? Parce qu'il a des cavaliers à donf... Putain, c'est quoi ça? Attends, défense, mon coco, défense! Ah bah là, par contre, tu vas te faire péter, là. 16 canons!
35 000, d'accord. Il faudrait que je fasse des stacks en fait un peu plus gros. Je vois pas assez gros en fait. En fait, maintenant, il faut que j'arrête de faire des stacks de 20, il faut que je fasse des stacks de 40. Du coup, on va remonter toute l'armée. Et ça te gêne pas le... Lui, par contre, il va me péter mes unités le 17 décembre. Et si je fais ça? Le 7 janvier. Donc, content que tu restes là, tu vas te faire péter, mais au moins... défendra un peu. Alors là voilà, hop, direct. Le mec il arrive. Voilà, moi j'ai même pas le temps de me défendre. D'accord, il est en train de splitter toutes ses unités. Il va où? Il va là, 26 000. Tout le monde sur Pékin, s'il vous plaît, les enfants. Ouais, mais on peut pas les déplacer. Moi, si je déplace des troupes comme ça, ils vont avoir du le mal, le machin chose là. Le port sont sous blocus. Ah, et blocus français, oui, c'est vrai, merde. Ah, mais ça va, j'ai des bateaux maintenant. Je sais plus me faire des bateaux. Alors, tu vas dégager avec tes bateaux à la con. Putain, saloperie de russe de merde. Ils vont se déployer là comme des salauds. Toi, tu restes là. Chut, tu bouges pas. Bon, eh bien, toujours est-il que je pense qu'on va quand même s'arrêter ici. Voilà, on va s'arrêter ici. En plein couac. Avec l'attaque de la Russie, de la France. Et de la France, même pas. Hein. Hein, même pas la France, hein, espèce de salope. On est en 1744, donc le 5 janvier. Et c'est le début de la fin. Ils étaient 35 000, on était 20 000. D'accord. Et on perd moins 6, ouais. Moi, je trouverais normal que les défenseurs gagnent beaucoup plus de points en se défendant que les agresseurs en attaquant. Ce serait pour moi, ça me paraîtrait logique. Mais bon. Alors, est-ce qu'ils y arrivent? Chasseurs de rebelles. Ouais, ils devraient pouvoir. On va voir qu'est-ce que ça fait. Oui. Sauf qu'il y a tellement de rebelles. Il y a tellement de rebelles, bordel. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Tiens, prends ça dans ta gueule. Normalement, j'ai gagné une bataille. Ouais, ça, sauf que là, ça le compte pas. Voilà. Là, je suis en train de perdre, par exemple. Alors que je suis en défense, il a un malus, il a moins d'hommes que moi, et il me pète la gueule. Et il est sans commandant en plus, il se fout de ma gueule. Carrément, le mec sans commandant, quoi. C'est ça qui est dégueulasse, en fait. C'est ça qui est dégueulasse. Tiens, ils sont en mode marche forcée. Ouais. C'est ça qui est dégueulasse, en fait. T'as un malus militaire, mais un truc de fou, un truc monstrueux. Pourtant, ils sont occidentalisés, eux. Ils sont même pas occidentalisés, bordel. 27 en technologie militaire, j'ai 21. On a 6, comme pareil que les pareil que leur, pour les Espagnols. Mais moi, je suis occidentalisé, donc j'ai des unités comme les Espagnols. Et eux, ils ont pas les mêmes unités, normalement. Mais c'est dégueulasse. Pourquoi je prends du malus comme ça à chaque fois que mes unités se battent? Pourtant, elles sont pas dégueulasses, quoi. 115% de discipline. Il est où le garçon là? Il est là. Ah ouais, mais n'y va pas parce que toi tu vas mourir, ton grand garçon, tu vas mourir. Par contre, vous deux, vous allez pouvoir vous rejoindre ici. Et faire une grande offensive. Port sans sous-blocus. Et il fait chier cet espagnol de merde là. Tiens, toi là. Tu fais ça et après tu vas revenir. Tu vas revenir ici. Vous avez perdu. D'où vous sortez-vous?
C'est quoi ces types qui viennent de nulle part là? Ouais, mais là par contre, ça va être mort là. Parce que là, il va attendre, il va avancer. Bon, on verra ça au prochain épisode en tout cas. Je vous remercie de m'avoir regardé, c'est la merde. C'est la merde. Il nous reste. Ouais, il nous reste. Combien on est? 50. Allez. 75 ans, un truc comme ça. 75 ans de jeu, et là, c'est commence à être le début de la fin. Là, tout le monde nous attaque. C'est quand même des beaux salauds. C'est quand même des beaux bâtards. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais non, tu chasses les rebelles actifs, quoi, pour éviter qu'ils prennent d'autres trucs. On s'en fout. Chasse pas les Mongols qui récupèrent pas les territoires qui sont déjà acquis, mais tu chasses tous ces dudules, hein. Comme ça, après, ils vont pas en faire d'autres. Et lui, il va, voilà, hop là, 13 000. Eh, je suis en défense, 13 000. J'ai lui qui arrive. Il arrive quand, lui? Le 30 avril. Lui, il arrive. Le 22 avril. Ok. Défense. Attention. Général 2 étoiles. Contre un général 2 étoiles. 40 000 troupes. Contre 13 000. Voilà. Hop. Je commence. Regardez mon moral. Regardez un peu mon moral, quoi. Et puis, c'est quoi ce jet de dés à la con, là? Il fait un 7, je fais un 2. Non, mais c'est quoi ce bordel? C'est moi qui perds, hein. Voilà, c'est moi qui perds. 40 000 contre 14, contre 14 000, et puis c'est moi qui perds. Comment tu veux faire avec ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous voulez que je les repousse, là, tous ces dieux, là? Ils attendaient que ça, les Russes. Hein. Ils attendaient que ça. Oh, les salauds. Oh, les salauds. Bon, toujours est-il que c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir regardé, mettez-moi un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4 ou sur un autre jeu. Allez, ciao.